poesia di Lorenzo il Magnifico che dice tanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Questo film mi sembra una cosa del genere, loro che sono così giovani la sentono la pressione della giovinezza che va vissuta perché sennò poi passa presto. Oui, c'est une certitude et ce film le prouve, c'est une envie de vivre et de liberté qui est nécessaire à la vie de quiconque et il faut passer par là, il faut vivre et profiter de sa jeunesse dans tous les cas. Je te rejoins. Il suo personaggio è come se osservasse il mondo che lo circonda senza mai buttarsi poi nella vita, tutto quello che lo circonda, è molto riflessivo. Volevo sapere se ha sentito questo nel personaggio o se anche lui si sente un po' così. Alors, c'est une infime partie de moi, je suis quelqu'un d'observateur comme Amine l'est dans le film, très observateur, qui prend beaucoup de recul, avec une grande analyse des choses, de la vie, des gens. Nel film c'è una scena bellissima che vede lui, sempre Amin, il protagonista, è quella della nascita della capra. Volevo sapere qualcosa di quella scena che è super commovente, se anche lui mentre la girava ha provato qualcosa del genere. Je suis impatient de la voir. Ouais, bien sûr, ça a été une scène très émouvante. J'avais jamais vu une misba auparavant, donc c'était la première fois. J'ai été confronté à ça très naturellement, avec absolument aucune indication. C'était pas une scène jouée, c'était que du vrai. On est arrivés tous les deux dans l'enclos vers midi. On a passé l'après-midi à tourner dans l'enclos, à examiner les bêtes, à voir laquelle pouvait mettre bas dans les heures qui suivaient. Mais c'est une science inexacte. On sait pas à quel moment ça va arriver. Donc ça aurait pu arriver la journée, ça aurait pu arriver à n'importe quel moment. Ça aurait pu ne pas arriver. Le lendemain. Voilà, donc après 7-8 heures passées dans l'enclos, voilà, je me suis retrouvé avec une brebis qui se met à part et puis qui commence à mettre bas. Et puis là, on ne peut que contempler et prendre le temps. Impressionnant. Nel film c'è un rapporto molto forte col cibo, ci sono delle scene forti, sembra quasi che sia come se fosse la vita vera e non sembra un film, non sembra una cosa di studio sul set. Volevo sapere come Keshish riesce a fare questo negli attori, non dal punto di vista tecnico ma proprio per l'atmosfera, come si fa l'atmosfera di vita reale su un set cinematografico. Parce qu'on l'a vécu, simplement. On mange pour de vrai. Et on vit pour de vrai. Donc je pense que c'est pour ça qu'il arrive à transmettre les émotions d'un repas, par exemple. Ça a été un gros travail pour arriver à quelque chose de naturel et pour que vous puissiez le ressentir et vous dire bah, moi aussi je mange comme ça, moi aussi je fais ça, c'est très naturel. Queste stati da giovani, che loro sono così giovani, quanto cambiano la vita di una persona? Quanto sono determinanti? Per loro ci sono delle stati così. Ouais, on a beaucoup travaillé, mais on a pris beaucoup de plaisir et c'est l'essentiel et c'est sûrement cet été-là qui nous marque le plus. Le parallèle qu'on peut faire entre l'été du film et notre été à nous, ben on s'y retrouve forcément et ça, enfin en tout cas personnellement moi ça m'a parlé, cet été qui s'est prolongé évidemment parce qu'on n'a pas tourné qu'en été, mais ouais c'est cet été-là qui m'a... On l'a fait, on l'a vécu, donc en boîte de nuit on s'est amusé, sur la plage on s'est éclaté et voilà. Merci.